J'ai la chiasse, je fais sous moi, j'échappe, tirez, mais tirez donc bande de cons, tirez donc bande de cailloux. Non, attendez que ça fasse le temps du cours de maths que je n'aimais pas, le temps où les professeurs me traitaient de tout, cancre, bon à rien, trou, et je commençais à croire qu'ils avaient tous raison, c'est Lascar. Ils me chiffonnaient, ils m'annulaient. Alors, laissez ce camp vivre le temps d'une explication du théorème de Pythagore. Et moi, je répète, je ne comprends pas, monsieur. Je ne comprends pas, merde. Continuez à expliquer. La somme des côtés est égale au carré de l'hypoténuse. Que signifie 13 racines de 3? Que signifie le produit des extrêmes? Le produit de moyens? Je ne comprends pas, je n'y vois pas grand-chose. Si tu expliques bien, Dinoto Katana, tu auras ta libération. On tirera. On libérera ton sang de traître et tu mourras peinard. Ah, je peux te dire ce qu'on fera de ton cadavre. Mais je te donne la chance de le savoir. C'est toujours bien de savoir ce que sera son cadavre. On coupera les oreilles, le nez et les parties mâles. Mais tu n'en as plus besoin. Et on ouvrira le ventre que tu fasses vraiment viande. Viande par beauté. T'en fais pas, ami, on va tirer. Tu auras les balles de Yasser Taoufran, celle de Bartani. Choisiront la gorge. Et puis, celle de Somadi prendra le cœur. Ah, c'est le meilleur tireur que nous avons. Somadi tire très bien et très fin. Non, mais ne sors pas tes yeux de cette manière. On va tirer. Mais qu'on te mette un peu d'existence après toi dans les nerfs. Et qu'on te donne une idée de ton cadavre. Tu ne vois pas que c'est de la chance, ça? Personne n'a jamais eu une idée nette de son cadavre. Hé, vous deux, creusez là et que l'ami voit son trou. On n'a pas toujours cette veine dans une pipe. Qu'il voit la terre qui va recouvrir son corps. Avoue que tu es bien né, dit notre Katana. S'il y a du chemin après la mort, tu ne manqueras pas de quoi raconter aux gens de là-bas. Moi, je suis content. Ça me rappelle ce bon vieux temps où les professeurs disaient « Oh, mais Zenouka est un imbécile !» Non, monsieur le professeur, Zenouka n'est pas un imbécile. Il rend des théorèmes de Thalès, il trouve le produit des extrêmes et celui de moyens. Et il a ses 13 racines de 3. Au tableau, Zenouka. Multiplie la tête du traître par Adinotro. Ouais, monsieur. Je trouve. Et cela donne 1. Un qui fait sous lui, un qui meurt vivant, un qui tremble comme une feuille, et un qui tirait. Mais tirez donc, bande de cons, tirez, bande de cailloux. Non, sois raisonnable, a dit notre Katana. On va tirer, on est là pour ça. Mais pour qu'on ne tire pas sur un vide, il faut qu'on te mette bien au monde, qu'on te recharge. Et tu vas demander au noble soldat de son excellence de tirer sur un tas de vide. Ah non, compadre. On va tout de même pas bâcler la chose pour un traître de ta dimension. Il faut que ça soit cérémonial et sérieux. Et tu ne vas pas mourir comme un paralytique. Hein. Non, faut pas que tu te trompes de bord non plus. Nous voulons t'éviter tout cela. Nous voulons que tu meurs... comment dire ça? Impeccable. J'espère que tu me saisis. Tu vois mon souci?
ne rien rater. Je t'ai parlé de ton cadavre. Mais j'ai oublié de te dire que nous t'enterrerons sans yeux. Ah, compadre. Si tu savais combien de bouches parlent dans ma bouche, et si tu savais combien de cœurs battaient mon cœur, oh, tu m'en serais infiniment reconnaissant. Tu te dirais, ce pauvre Zenouka n'a pas raté la mamelle de sa mère. Hein? C'est un brave garçon. Mais oui, mon Dieu. On ne peut pas accepter qu'un traître meure en paix. Qu'il meure qu'une pauvre seule fois. Il faut le descendre par région. Tamuzenga viti viti. Tsa, tsa. Bartali, coupe les oreilles à ce con et qu'on lui montre ses morceaux. J'attendrai un peu. Oui, son matin lui coupera le sexe. Les oreilles, je les garderai en souvenir. Ça sera des oreilles historiques. J'aurais pu prendre le sexe d'ailleurs. Enfin, les oreilles, ça me suffit. Je les montrerai aux enfants de mes enfants en disant, c'est les oreilles du traître Adinonso. Je les laisserai à l'aîné de mes enfants, qui les laissera à l'aîné de ses enfants, et ça sera la relique familiale. Cette paire d'oreilles qu'on t'a donnée bien grande, pour faire peur à l'enfant qui ne veut pas manger, on dira, eh bien, mange. Sinon, et on va prendre la paire d'oreilles, on la brandira, et l'enfant mangera. À quelque chose, malheur est bon. On a quitté la ville à 4h du matin. 30 km. Et c'est tout de même bon de savoir qu'on est mort à 30 km de la capitale. Mort de plomb. Après une vie de beurre. Chauffeur, chauffeur, bombe et tinkadou. Bombe et tinkadou. Chauffeur, chauffeur, salut, tchakou, tchantama. Non, compadre, crois pas, on va te laisser partir avec de la chiasse dans la culotte. On te jettera un seau d'eau. Et c'est pas loin le ruisseau. On pourra même t'en jeter deux. L'eau est la plus grande richesse de notre pays. Ouais. C'était toujours après 30 minutes de cours que le professeur disait Zenouka baille. Allez, le vieux sommeil, Zenouka qui commence à dormir. Et il faisait chanter. Le vieux sommeil, Zenouka. J'aimais la chanson et je la préférais au théorème de Thalès. Oh, elle me rechargeait. Le vieux sommeil. Tu veux que je te la chante en guise de requiem? Tiens, j'allais oublier de te dire ce qu'on ira dire là-bas à la ville. On dira que Zenouka, oui compadre, j'ai sauté ta femme. Elle a une connerie à la racine de la cuisse droite. Et à part cela, elle est absolument pendante. Oh, je vois. Tu te dégonfles, tu es pété, tu es mort sans qu'on ait tiré sur toi. L'autre vide plus amer. Tu peux tirer quand tu voudras. Je vivrai en toi. Toutes les fois que tu voudras faire la chose là, tu me feras. Surtout quand elle va pousser ce cri là qu'elle pousse souvent. Tu connais? Elle dit, toi, oh toi, tu, ta gueule. Non qu'il tire si tu veux que je la ferme. Si tu veux que j'arrête. Si tu préfères qu'on s'arrête au point virgule. Elle a une bouche parfaitement bandante. Ses mouvements sont humbles, ronds et suffisants. Ta gueule, non, c'est toi qui as voulu qu'on parle. Je te laisse la vie et mon odeur dans les cuisses.
Rassure-toi, ce n'était d'ailleurs pas moi qui suis allé vers elle. Elle-même. Un sourire, un contre-sourire, et la chose était faite. Mais entre hommes, il faut que je te dise, Gabriela Yvonne prétend que tu pourrais ou pas. Ah, je connais un petit truc qui peut t'aider, mon cher. Tu connais cette herbe velue qui pousse dans les campagnes en avril-mai? On l'appelle Tashkana, c'est-à-dire nuit blanche. Oh, ça te met les couilles dures et les vraies femmes aiment ça. Et puis, elle est venue avec moi. Elle m'avouait quand elle est venue me voir en tôle que Juanario et Batista sont mes enfants. Feu! C'était en ce moment-là que j'aurais dû crier feu. Il serait tombé. Dans ma tête, ils ont tiré. J'ai entendu les six rafales. Mais comme si les plans allaient changer de direction pour venir jusqu'à moi. Non! Non. Elle n'a pas fait ça. Elle-même, elle me le dit tous les jours. J'ai touché le sang d'Adinoto. Il était choquant comme un gros mensonge. J'ai eu envie de le goûter, d'en connaître la teneur en merde. Mais j'ai crié, non, il ment. Il ment. Je me sens fiévreusement amoureux de Gabriela. Et mes poumons se lèvent pour l'affirmer. Non. J'ai voulu compter sur le temps et l'oubli. Mais Adinoto avait raison. J'ai son odeur dans les cuisses. Je n'ose pas. Depuis 3 mois, je n'ose pas. Gabriela Yvonne a envie, je le sens. Mais je déconne dès qu'elle me touche. Qu'as-tu? Non, rien. Tu changes. Elle a raison. Je change. J'ai toujours l'impression que je vais coucher avec Adinoto. J'ai son cadavre dans le cuisse. Sa chaleur, sa parole. Je rassemble des quantités d'énergie. Et il avale tout. Et la connerie à la racine de la cuisse droite me donne envie de cracher. J'ai craché. Hein? Gabriela Yvonne s'est allumée comme un cœur de lion. Tu craches? J'ai commandé le peloton qui a exécuté Adinoto. Et qu'est-ce que ça peut me foutre? Qu'est-ce que ça peut me foutre? Et on se dispute. On s'insulte comme cela toutes les nuits. Quand je suis presque convaincu qu'Adinoto avait menti, ma peur de débander pour de bon fait le reste. J'ai peur. J'ai peur. Alors je sors. Je veux boire un coup. Et j'essaie avec les filles de joie. Oh, de glace. Je suis d'abord tombé sur une qui a voulu me rendre plus que mon argent. Une vachante. Elle a débouchonné. Hey, tu crois? Pauvre garçon. Je ne fonctionne pas au bout de toi, moi. Je suis quand même une mûre. Tu sais pourquoi je fais la rue? Mon mari est allé avec ma petite sœur. J'ai trouvé cela, comment dire, moche, chiant, apaisant. Alors, j'ai voulu encaisser plus fort les coups de la vie. Quand c'est le cul qui le reçoit, ça remet tout l'être. On a alors envie de se plaquer. Et je me suis plaqué. Mais j'aime et je respecte l'acte. Prends ton argent et va-t'en. J'ai été un homme dur. Comment arriver en fin de carrière, en pleine carrière? Mon corps m'échappe. Mon sang m'échappe. Tué par une parole. Non, je mens. Adinoto aussi a menti. Je ne suis pas impuissant. Je bande de l'intérieur. Je bande du cœur. Yvonne. Pourquoi tu fais cela? Je regarde Juanario et Batista. Ils ont quand même mon nez arrondi. Mes gros yeux. Le front. Le front me semble douteux. Le menton aussi. Le teint. Je suis brun.
Ils sont sombres. C'est plus près de lui. Maintenant, si Adjinonso a pissé dedans, mais qu'est-ce que ça fait? C'est moi qui les appelle papa. J'aime leur doux visage. J'aime leur rire d'oiseaux nocturnes. Ah, ce crabe-là m'a mordu aux tropicalités, profondément. Mais tu sais ce que tu vas faire, mon garçon? Tu pisses. Les femmes, c'est toujours trouvé. Ne te fais pas la bile pour cela. Si Yvonne a profité avec Adjinonso, qu'est-ce que ça peut te foutre, mon petit? Sois sportif, sois humain, sois au monde, pensant de pensant. Elle a trahi toute la part des choses. Oh, mais elle dit souvent que c'est pour changer d'appétit. Quoi de plus normal? Toi aussi, tu changeais d'appétit. À la seule différence que tu n'allais pas lui planter des Adjinonso dans les jambes. T'es tout cru. L'homme, c'est l'homme, merde. L'homme, c'est plus vaste que la femme. À la condition masculine. C'est infernal. Il faut aller fusiller des tas de gens de Adjinonso. Comme si vous étiez là quand il préparait ces saloperies. Fusiller pour que ça vous morde les couilles, bon sang de bon sang. Non. Qu'elle me laisse foutre. En totalité, qu'elle me laisse foutre. J'aime encore cette chasse. Je me sens prisonnier de ses formes. Prisonnier de tous les ongles de son corps. Oh, je n'ose pas regarder la connerie à la racine de la cuisse droite. Connerie est un trop vilain mot d'ailleurs pour indiquer une cicatrice que naguère je trouvais belle. Je n'ose pas parce que j'y verrai Adjinonso. J'ai coupé son baobab moi-même. Je voulais le garder en souvenir, mais ça me troublait. J'imaginais toute la scène avec Yvonne et ça me grimpait à la gorge. J'ai eu envie de le bouffer. Mais j'allais sûrement cracher mes intestins. Dieu est vilain. Il n'aurait pas créé des ordures de la taille d'Adjinonso. Des ordures qui vous mâchent l'être, qui vous bouffent le ventre, qui vous mettent dans un état de mercenaire dans votre propre corps et qui vous décrètent barbare. Et quand j'ai entendu le bruit de ma femme qui allait avec Adjinonso, ça m'a glacé. Une de ces douches merdes. Et je n'ai plus eu le cœur de pousser les choses plus loin. Chaque soir, j'allais me regarder au miroir pour essayer de me prouver que j'étais le cœur modèle. Le cocu naturel. À 35 ans sonnés, on peut être lié au monde par le nœud mystérieux d'une belle vintamarde. L'éternel bourdonnement de viande dans la viande. L'anniversaire éternel du sang qui ramasse le sang. La vie, toute la vie. Yvonne, je n'arrive plus à dire ton nom comme je le disais avant. Tout mon corps est devenu un réquisitoire. Yvonne, je brûle, je brûle. Comment sommes-nous arrivés là? Je me rappelle. Un soir, c'était le vieux Norgula qui est venu chez moi. Il a demandé que je lui serve un whisky. Il a bu. Puis il m'a dit, fiston, il faut surveiller ta femme. Le monde est devenu méchant. J'ai surveillé. Tout était en place. Yvonne m'aimait à point fermé. Et je me disais, si elle vient de coucher avec un type, et qu'elle m'aime à ce point, je ne vois pas à quoi sert l'exclusivité. Son corps m'avalait, ses formes m'annulaient, me mettant comme un trait déçu. Et c'était la vie qui ne fait point de concession. D'autres gens sont venus me voir. Hey, fais gaffe, hein, Oscar. On dirait que le colonel Adjinonso est ta femme. C'est la carnassière condition masculine. Que voulez-vous? On doute jusqu'au bout. Comme si il y avait un bout dans ces choses-là. On doute. C'est la position normale. On essaie de sauver la face. Enfin, ou ce qu'on pouvait appeler la face. Hein? Il n'y a pas de face dans les choses du cœur. Il n'y a que le cœur. Et le cœur est méchant. Le cœur ne marchande pas.
maintenant, si les deux marmots appartiennent à Dinoto, qu'est-ce que j'ai fait moi? L'amour? L'amour? Oh, c'était presque moi, Yvonne. Tu m'as cousu de toi. Tu m'as cousu d'illusion, merde. Ah, je fais sous moi. Comme le jour de l'exécution, Dinoto faisait sous lui. Je fais en moi. Je fais dans mes nerfs, dans mon sang, dans ma prostate. La chasse à l'autre bout de la queue. Le désastre, la débandade. Oh, la condition masculine nous met en état de maternité. Nous portons la grossesse de notre cruelle fragilité. Merde! Et je me pose mes questions avant de les poser. Yvonne, dis-moi, tu as profité avec Adjinonso? Et j'installe les réponses. Comment ça? Tu m'as toujours prise pour une bordel. Tu devrais avoir honte. Tu viens cacher tes propres infidélités dans mon dos. L'homme est un cancre qui n'a l'occasion de se haïr que dans les dos des autres. Et je me découvre. Quelle bévue. Quelle horreur. J'ai crié feu. La même voix qui a parlé pour Adjinonso. La même teinture de haine et de colère. Mais comme dire dessus, merde! Je me rappelle comment on est parti. On a laissé la Jeep à quelque distance. Entre vieux potes à Dinoto, je t'offre une marche avant la mort. Ça fait du bien une marche de dernière heure. Ça vous réveille toute la vie qu'on a dans les reins. Ça console. On a le temps de réussir sa mort et de ne pas la bâcler. Là-bas, j'éviterai qu'on t'attache. Tu seras libre. Tu choisiras ta position. Debout si tu veux, ou couché ou assis. Je ferai tout pour éviter que ça ressemble à une mort montée de toutes pièces. Une mort artificielle. Allez, passe devant. Choisis à quelle allure tu veux y aller et quel lieu. On n'est pas pressé, nous. Allez. Oh, je t'admire, Adjinonso. Oh, vas-y, Adjinonso. Je t'admire, Adjinonso. Tu marches comme un vivant. Tu marches comme un vrai vivant. Oh, mais à ta place, j'aurais la chasse, merde. Et dis-moi, qu'est-ce que tu aurais fait demain si tu étais vivant et libre? J'irais broder le cul de ta maman. Comment tu dis ça? Répète, mais c'est bien dit. Hein? Répète, dis-moi ça plus fort, toi, mentalement. Ma mère était une bâtarde qui me jeta dans une poubelle. Mais personne ne lui a administré une aussi sérieuse dose de sa bâtardise. Tu as le temps de l'injure, hein, compadre. Allez. Insulte ma mère encore une belle autre fois. Allez, sangle-la, mets le paquet. Allez, vas-y, insulte-la. Et Adjinonso avait donné une image infernale de ma mère. Une délicieuse image infernale. Mutsongi, songelanji. Mutsongi, songelanji. Mutsongi, Mutsongi, songelanji. Mutsongi, 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 Mutsongi. On atteignit cette zone de la prairie où l'herbe était haute. Mutsongi, Mutsongi. Et ça me plaisait qu'il meure dans les hautes herbes comme une civette. Qui n'a jamais mangé la viande de civette? Ah, délicieuse, hein? Merde! Délicieuse! Mutsongi! Mutsongi!
Tangi. C'est ici, c'est Nuka. Parfait. Tu ne crois pas en Dieu? Je te laisse 15 minutes de prière. Le temps de m'éteindre nos recréations après l'enfer de maths. Oh, ce temps-là était mon paradis, merde. Après tous les... Tu ne seras jamais bon à quelque chose. Je pouvais souffler, voir plus loin que Thalès et consorts. Je te laisserai un demi-mètre sur la face. C'est gentil, là. Pas la peine, Zenouka. Tire. J'irai prier là-bas. Non, compadre. Non. Tu parles comme si c'était moi qui tirais sur toi. Non. Non, non, non. C'est la loi qui tire. Moi, j'exécute. Il faut qu'on se comprenne. Je n'ai pas le droit de tirer sur toi. Mais la loi, si. La loi tire sur ceux qui se foutent de la sécurité de l'État. C'est normal, oui ou non? Que je suis un injuste de te laisser plus de temps qu'aux autres. De faire de toi un mort entier, un mort à part entière, et de tirer laborieusement. Et entre gens d'un même quartier, c'est des choses qui arrivent. Je continue à t'appeler colonel. Alors qu'on t'a dégradé. Je te laisserai un demi-mètre de terre sur la face. C'est gentil, merde. Yvonne. Yvonne, oh toi Yvonne. Dis-moi que tu... Tu n'as pas couché avec lui. Tu es encore but. Tu deviens infernal. Moi, j'ai besoin d'amour. Je n'ai pas besoin d'enfer. Qu'est-ce qu'on attend pour être comme avant? Il n'y a plus d'avant Yvonne. Oscar. Il n'y a même plus Oscar. Il y a moi. Il y a ce grand homme pété qui pose des questions. Oui, mais tu as des ailleurs. Et tu me laisses me priver, moi. Véronique, la vendeuse de bière. Martha, Léontana, Améria. Et moi, je me prive. Pour mon chemin revient. Je suis fou de tes formes. La forêt vierge, tu comprends? Comme avant. Mais il y a un serpent. Un gros serpent qui me pique la conscience. Je veux, mais je ne peux pas. Mon corps est cassé. Seule ma volonté continue à bonder dur. Je t'aime. Je... Dis donc, Zenouka. C'est vrai ce que ta maman m'a dit? Que quand tu commences, continue mais tes bâtardises. Elle est tous beaucoup. Elle éternue. Mais ma voix ne sortit pas. La langue avait bel et bien franchi. La bouche était ouverte. Mais le mot avait refusé de partir. Et l'animal continuait à merder sa chasse. C'est le monde entier qui parle dans ma bouche, Zenouka. Le monde entier. Tu m'as fait mettre du plomb dans les jambes. Tu as mis de rafales de chasse dans mon cerveau. Je pisse la part du monde entier. Un grand coup sur toi. Je te jette mon cadavre à la figure. Profondément. Au fond, le vrai mort, ça sera toi. Puisque tu vas continuer à te croire vivant. Moi, Dieu de Dieu, quand tu auras tiré, je tomberai peinard. Tu me nieras quand tu voudras la monter. Que tu me verras entre elle et toi. Et tu débanderas. Pif. Paf. Tu voudrais y aller en béquille. Aider le type avec tes doigts, ça peut marcher, remarque. Mais dedans, le froid, la peur, la honte, tu retomberas. En fonçant, oui, en forçant, tu peux terminer une fois. Mais les vraies femmes n'aiment pas une pauvre fois. Elles n'aiment pas la première. Tu verras, ça ne sera jamais plus comme avant. J'ai tué ton avant. Oh, il faut... Dis-moi que ce n'est pas vrai. De quoi? Mais après tout, je l'ai formellement pissé ce con. Il voulait mettre un point virgule dans notre amour. Je l'ai laissé parler jusqu'au bout. Je voulais en avoir le cœur net. Merde, Yvonne. Yvonne,
j'ai été multiplié par toi. Et le résultat est infernal, inhumain, bâtard. Dis-moi quelque chose, Yvonne. Dis-moi que tu m'aimes. Même pour mentir, j'entendrai. Je croirai même. Il y aura un avant, un bel autrefois. Et il y aura de nouveau le monde sous mes pieds. Mets-moi au bras d'Yvonne, refais-moi. Rassure-moi. J'ai été rassuré, rassuré par ce camp. Corrige. Pour réussir ça avec elle. Je me rappelle. J'ai demandé à commander le peloton d'exécution pour voir comment meurt un bâtard qu'on a soupçonné avec sa femme. Et c'était bienvenu ce complot. Je dis des bêtises. Sérieusement là-dedans, j'ai cessé d'être humain. Hé, hey, la retraite. Ça vous bouffe, merde. Quand on a posé tout son être sur une femme et que cette femme s'écroule seulement, c'est le monde entier qui s'écroule avec elle. On devient alors un torchon de vie. Non? Tu ne comprends pas ce langage, ma brute? Ma douce brute. Le monde est tombé. Il reste un nom. Yvonne. Comment tout pouvait être à ce point si fragile? Moi qui aimais la vie. Pour réussir ça avec elle, il faut que tu lui fermes la narine droite au moment crucial. Et que tu nous broutes un peu le bout du sein droit. Elle a le cœur à droite, ta môme. Et quand tu as fini, pour qu'elle donne un peu, tu lui broutes le gros orteil gauche. C'est pour préparer la prochaine section. Conseil de mort, Zenouka. Conseil de mort. Si tu veux la conserver fraîche, fraîche. Si tu veux qu'elle reste pendante, pendante, il faut réussir le jeu de croix. Hé, la guerre! Décrète-moi triomphateur au jeu des trous. Fais que je gagne au jeu de vide, merde. Que je continue mon rêve de prisonnier de tes jambes. Fille, femme, mère si nécessaire, mais aide-moi à regarder Jean-Arieux et Batista. Aide-moi juste le ciel. Tirez, mais tirez ton coupon de deux camps. La voix d'Adjinonso a quelque chose de purement féminin. Elle veut pénétrer les oreilles avec les allures de clon et les dévierge à tous les coups. Et elle vous met la chair en ébullition. Et puis, elle pue le gorille. D'ailleurs, avec ses 2 mètres et ses épaules en plus, Adjinonso a tout d'un vrai gorille. Velu comme tout, le visage est humain, beau, au milieu d'un ensemble effrayant. Et il va être 7 heures. Et comme il fait sous lui, les mouches tourbillonnent autour de lui en grappes frondissantes. C'est normal. Il sort d'un vilain régime de poissons salés. C'est normal que les choses puent de cette manière. Ah, j'allais oublier, compadre. La môme a une autre connerie érectile à la racine des fesses. Tu broutes ça pour déclencher le grand mécanisme. Tu lui prends le paquet tout entier entre les mains. Maintenant, vous pouvez tirer sur ce contre. Il avait le sang de 5 personnes. Un sang subversif, clair, brillant. Je lui ai donné comme promis son demi-mètre de terre après les formalités. Ouf, il est en pestant. Paul, sauve-moi de moi, pitié. Parle. Comment les choses ont-elles commencé? Hein? Ah, comme d'habitude, bien entendu. Un sourire, 2 mots. Et puis, la consommation. Hé hey, la consommation. Yvonne Gabriella, quoi encore? Je vais te descendre. Comment? Je vais te tuer. Pourquoi? Pour mettre un point virgule à ces choses-là. Je ne dors plus. Je ne bande plus. Et ces choses-là, merde en moi. Quelle chose? En mourant, Adjinonso a tué un vivant. Et ce vivant-là, c'est moi. Je ne comprends pas. Il faut comprendre. Il faut mourir lucide.
Le colonel Darmatini Pueblo est passé me voir. C'était mon beau-frère. Et il m'a posé une vilaine question. C'est drôle, un homme qui tue sa femme. Je lui ai souri. Il s'est énervé. Tu es brave. Tu tues ma soeur et tu me souris. Je te demande de prendre au moins deux avocats. J'ai tué ce qu'il y avait de moi en Yvonne. Je l'aime. Je l'aime. Mais il ne m'a pas écouté. Yvonne. Yvonne, tu m'entends? Je t'ai donné notre vie. J'ai refait notre vieux poteau. Yvonne, dis-moi un mot mort. Prends-moi dans ton corps pourri. Compagnie Plateau Kimpa Théâtre, mise en scène de Feli Kimbirima. Bravo! C'est vous qui avez remercié. Merci à Matina, ça on sait. Merci aux ateliers SAM. Et merci à Bill Pelani, parce qu'il y a 15 ans qu'elle a peint ce truc-là qui m'accompagne depuis toujours. Et bravo! Long du soir. La suite du programme. Donc tout à l'heure à Tabawa, il y aura Trans Infernal. C'est un spectacle qui nous vient de la RDC. Un texte de Nono Bakwa par la compagnie Mapendo Culture Aspel, dans une mise en scène de Maggie Kalomba. Donc demain à 10h. Demain 10h à l'espace Carrefour, rencontre avec les compagnies qui vont jouer ce soir. À 16h, lecture Amour sous les linceuls, un texte de Gilles Ferry Ngamburu par le théâtre des 100 voix. Et ça sera à la petite fin, au plateau des 15 ans. 18h30, otage. Du Togolais, un texte du Togolais Cosme Oru Loguma, mise en scène d'Hervé Massamba et Fortuné Bateza par la compagnie Zachary Théâtre. Donc ça sera à Tabawa. 20h30, Le Leur, c'est un spectacle qui nous vient du Bénin. D'après le texte d'Ousmane Aledi, par la compagnie Le Théâtre Igbala. Donc ça sera demain à l'espace Mantina. Merci et bonne soirée. Mmh.